Attention et action. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu FIFA 99, sorti en 1998, édité par eSport et sorti en 1998 sur PlayStation 1. Alors vous vous souvenez, j'avais fait un test sur ce jeu, plus un précédent que j'avais déjà testé dans une de mes anciennes vidéos. Et donc je vais faire, alors juste avant qu'on lance un match, on va faire une peu, on va éditionner, on va faire des petits changements au niveau des équipes. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans ce jeu, il y avait des équipes qui n'existent plus. Et je vais vous les montrer. Alors attendez, parce que là, ça, déjà, il faut remonter là-haut. Non, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont, comment dirais-je, disparu, qui sont présentes dans ce jeu, mais qui n'existent plus, malencontreusement. Ce qui est un petit peu dommage quelque part. Alors attendez, je vais quand même vous les montrer juste vite fait. Bon, en même temps, ça vous permettra de, comment dirais-je, de faire un petit aperçu sur ce jeu. Parce que vous voyez, c'est Grasshopper, qui est un club 6, pour tout à l'heure on l'a vu, le HJK d'Helsinki, Galatasaray, oui. FC Zurich. Košice, bon ça on l'a vu tout à l'heure, merci. Copenhague, Tbilisi, bon, ça c'est Kiev, le chouchou du championnat ukrainien, le Dynamo Moscou, ouais, bon ça c'est le Croatia Zagreb, ah le CSKA de Kiev, bon ça je voulais déjà parler de cette équipe, l'équipe existe toujours mais elle a changé de nom, c'est plus le S, c'est le CSKA de Kiev mais le Arsenal de Kiev. Bon, ça c'est Brøndby qui est un club danois, Beşiktaş qui est un club turc, ça c'est le Beitar Jérusalem qui est un club israélien, la Pohjois Malaisie qui est un club chypriote, Anorthosis c'est un autre club chypriote, très bien, Amica Wronki, bon ça c'est un club polonais, ah Laika Athènes qui est un club grec, ah Vartex Varadim, bon je sais plus si il y a 12 clubs, Valeriga, ça c'est un club suédois il me semble. Mouchpé, ça c'est un club hongrois. Chombras, bon ça c'est un club autrichien. Steaua Bucarest, qui est un club roumain. Le Spartak Tervas, je crois que c'est un club tchèque, il me semble. Ah, le Spartak de Moscou, alors lui c'est un club russe. Ça se voit à vue d'œil, c'est le plus populaire des clubs russes. Ah, le Spartak Prague, qui est un ancien club, très célèbre club de République tchèque. Ah, le voilà. Voilà. Ça par exemple, ce que vous voyez là, mesdames et messieurs, c'est le Skonto Riga, qui est un club... Letton qui est basé à Riga, qui est la capitale de Lettonie, et qui n'existe plus. Et non, il n'existe plus, mesdames et messieurs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va voir si on peut le. Est-ce qu'on peut le. Comment dirais-je. Oui, on peut. Alors, il y a un moyen. Alors, comme je viens de vous le dire, mesdames et messieurs, on peut changer le nom des équipes. Bah, tiens, puisque. Attends, zut, est-ce que je peux. Attends. Attends, parce qu'on peut changer, comment dirais-je, le nom des équipes. Bah tiens, puisqu'on parle d'équipes qui n'existent plus, je vais essayer de voir si je peux le ressusciter. Enfin, pas le ressusciter à proprement parler, mais juste changer le nom du club, du Skonto Riga, par le FC Riga. Bon, allez, c'est parti, donc on va se faire un petit match 100% européen, juste y voir cette équipe du FC Riga, ex Skonto Riga. Oui, c'est excusez-moi, il faut cliquer pour que ça puisse passer, c'est débile, franchement c'est débile. Voilà, très bien, ensuite, on va par là. Mais il y a vraiment du choix dans ce jeu, il y a vraiment du choix. Hein. Ah là, le FC Riga, voilà, parfait, le voici. Bon, ça me fait un petit peu bizarre de remplacer un ancien club par un nouveau club, mais bon, pff, si j'aurais fait comme... si j'aurais, comment dirais-je, la limite... Mais en même temps, si le Skonto Riga aurait continué à vivre, ça n'aurait rien changé. Mais bon, c'est pas grave. Il aura au moins marqué l'histoire. Allez, c'est parti donc pour ce petit match 100% européen.
entre les Grecs de l'AEK Athènes, un des meilleurs clubs de football de la capitale grecque, à savoir Athènes, qui est un des meilleurs après celui du Panathinaïkos, opposé au FC Riga, ex-Skonto-Lega. Alors, Stolzer, Bessèvres. Oui, alors, j'ai laissé les joueurs. J'ai pas mis, comment dirais-je, j'ai pas changé les noms parce que ça sert à strictement à rien. Donc, c'est parti. On va juste voir comment est cette équipe du FC Riga. Allez, c'est parti donc, mesdames et messieurs, pour ce petit match 100% européen entre les Grecs de l'AEK Athènes et les Lettons du FC Riga. Alors, les Grecs de l'AEK Athènes jouent en jaune et noir. Face à eux, les joueurs, les joueurs les Lettons, enfin du club letton, à savoir le FC Riga qui joue en bleu ciel. Allez, c'est parti donc. On va voir que. Bon, l'autre fois, on a fait un petit match opposant les Russes du Lokomotiv Moscou à celui des Allemands du Werder Brême. Et les deux équipes ont fait match nul. Allez, Rizos. Daniel, attention! Est-ce que? Non! Oula! Bel arrêt du gardien! Ben dis donc, on peut dire que. Il a de bons réflexes. Et. Stepanovs. Stepanovs. Voilà, Danis. Anorthosis. Bon, attention, il a le ballon, il a le ballon. Est-ce qu'il va marquer? Non, dommage. Ouh, c'était bien tenté. Et premier corner. Premier corner dans ce match. Corner pour les Grecs de l'AEK Athènes. Oh, attention, oh là là, attention, parce que faut pas se mêler les pinceaux, les gens. Ah zut, ah mince, il a été dévié. Allez, on continue, on fait des passes. Mais sinon, le jeu, ça va, il est assez agréable, ça va, il est bien, il est classe, il est assez potable. Bon, c'est loin d'être le meilleur, mais bon, au moins, il a de la gueule. Il a vraiment une belle gueule. Attention à mince, hein, j'ai perdu encore le ballon. Oh là là là. Et une fois de plus, il va falloir, comment dirais-je, mais jouer serré. Attention, Non, c'est bon, il a réussi à l'avoir. J'ai l'arrêt du gardien de Riga. Riga non seulement est un club de foot letton qui a remplacé le Skonto Riga, mais en plus Riga est la capitale de la Lettonie. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans lettons, ainsi que dédicace à tous mes fans grecs. Attention! Oh, attention! Est-ce que ça va faire? Et un autre corner! Et nouveau corner, cette fois-ci du côté. Des joueurs lettons de Riga. Attention, est-ce que. Ouh, joli arrêt du gardien. Eh ben, mesdames et messieurs. C'est fou à quel point. On s'ennuie pas dans ce jeu. On ne s'ennuie pas. Stolzers, Robanovs, Stolzers. Ah, le ballon est de. Pour les. Et attention, oula! Attention, c'est pas fini! Est-ce que. Ouh! Et c'est le but! Et ouverture du score!
incroyable! Alors là, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Attendez, on va quand même voir ça ralentir parce que là, franchement, il y a eu vraiment ce qu'on peut appeler un bel effort collectif du côté de cette équipe lettonne du FC Riga. Et ouverture du score des Lettons. À 0 donc pour le FC Riga. Ah, qui met vraiment ce qu'il peut appeler être et vraiment ce qu'on peut appeler le digne successeur du Skonto Riga. Hein. Bon allez, d'accord. En tout cas, comme je suis fair play, j'applaudis. Je dis un GG pour le buteur. Attention, mais c'est pas fini. J'ai encore de la ressource, j'ai encore de la ressource. Ouh, attention, c'est pas fini, mesdames et messieurs, c'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs. D'accord. Je suis mené, certes, mais je vais pas non plus désespérer. Ah oui, est-ce que vous saviez que la Lettonie est est une ancienne république soviétique? Non? Eh bien maintenant vous le savez. Mais bon, je suppose s'il y a des historiens qui regardent cette vidéo, ils sauront très bien de quoi je veux parler. Attention, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Oh, attention, non, non, c'est pas fini, c'est pas fini, attention, non, dommage, oh, c'est dommage, oh là là, j'avais le ballon et il y a une espèce de cafouillage. Allez, attention, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, mesdames et messieurs, c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, après, si je suis battu, c'est pas grave. J'aurais donné le meilleur de moi-même dans ce jeu. Allez. Les Grecs de l'AEK Athènes qui sont menés, mais qui vont pas abandonner pour autant. Voilà. Donis. Libéropoulos. Ah, mince, c'est surpris par. Smithers. Ouais, allez, oui, on continue, on continue, on continue, on continue, mesdames et messieurs. On continue. On pousse du côté de l'AEK. On n'abandonne pas. Est-ce que... Oui! C'est le but! Égalisation grecque! Je le savais qu'ils allaient égaliser! Je le savais! Aïe, 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 ils ont été le chercher, celui-là! Égalité parfaite entre l'AEK Athènes et le FC Riga. Oh, ça a ralenti. Ah, c'est vraiment. Oh, il fallait le chercher celui-là. Ouh, GG. Eh ben, mesdames et messieurs. C'est fou à quel point on s'emmerde pas dans ce jeu. On ne s'emmerde pas. Donc, un partout entre les Grecs. De l'AEK Athènes et les Lettons du FC Riga. Voilà ça. Et là, les Lettons du FC Riga récupèrent le ballon. Allez, on continue. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Il est temps! Non, mince! Ah, zut, zut, je voulais tirer, mais comme par hasard, le ballon a été chippé. Ah là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer, mesdames et messieurs, on va continuer. Alors qu'on s'approche à la dernière minute de la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, ou peut-être pas! Est-ce que non! Encore stoppé! Oh, quel dommage! Mais quel dommage, mais quelle belle tentative! Quelle belle tentative! Je l'ai arrêté du gardien. Et c'est la fin donc de cette mi-temps. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous ai promis du spectacle. En voici un. Donc, égalité parfaite entre l'AEK Athènes et le FC Riga, qui pour l'instant sont à égalité à partout donc.
Mais bon, le match n'est pas encore terminé, il reste encore la deuxième mi-temps, et espérons que nous verrons un meilleur jeu de la part des deux équipes. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Athènes, en Grèce, à vous Paris. Et nous sommes de retour ici à Athènes, en Grèce, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match, mais à ma foi assez vrai, mais vraiment mais palpitant, entre les Grecs de l'AEK Athènes et les Lettons du FC Riga. Et quelque chose me dit que ce match promet d'être assez, mais comment dirais-je, spectaculaire. Alors pour l'instant, ce sont les Grecs de l'AEK Athènes qui ont repris le ballon. Alors attends, parce que là, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment choisir le bon équipier. Voilà, c'est bien. On fait, oui, ouais, on fait une passe à lui. Oui, 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 oui. Oh, c'est bien. Est-ce que ça va le faire? Oui, but! Et c'est dedans! Et nouveau but marqué par les Grecs de l'AEK Athènes. Magnifique jeu de collectivité. Parce que là, franchement, il fallait le faire. Wouah, GG. Alors là, mais là, franchement, c'est... Je dis GG. Donc, ce qu'il faut au total, AEK Athènes 1, FC Riga... Enfin, AEK Athènes 2, FC Riga 1. Voilà. Excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé les poissons. Mais bon... Excusez-moi, c'est un petit peu l'émotion, c'est l'émotion. Ne prenez pas en compte. Allez. Oh, attention, attention, parce que là, il y a... Ouh, attention, attention, oui, c'est bon. Tout va bien. Oui. Ah, mince, ah, je voulais faire une passe, mais comme par hasard, on me l'a chippé, hein. Un des joueurs lettons l'a chippé. Mais le ballon est de nouveau repris par les Grecs de l'AEK Athènes. Donc tout va bien pour le mieux. Voilà, attention, c'est pas fini. Est-ce que... Oui, c'est le but. Et un nouveau but pour les Grecs de l'AEK Athènes. But signé Dimitrios... Si j'ai bien noté son nom. En tout cas, magnifique jeu collectif. Les Athéniens qui ont réussi à revenir à la charge. Bon d'accord, ils ont eu un petit début assez difficile, mais ça va, c'est bon. Ils ont réussi à gérer de ouf. Et le gardien du FC Riga obligé un petit peu de s'incliner. Donc ce qu'il faut au total de 3 pour l'AEK Athènes et 1 pour... les Lettons du FC Riga. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire un petit remplacement dans ce jeu à mon avis? Oui, parce que l'autre fois, alors, attendez, je vais voir si je peux faire un petit remplaçant. Alors attends, ah c'est Dimitriadis qui a marqué. Tant pour moi. Alors attends, je vais voir si je peux. Voilà, attends, on va prendre ici celui-là. Attends, lui c'est un LCA. On va prendre, voilà, Mirtakis, voilà. Bon, j'ai pris un joueur au hasard, mais bon. Donc, si vous nous rejoignez, les Grecs de l'AEK Athènes mènent au score face aux Lettons du FC Riga. Oh, zut! Ah, mince, j'ai encore... Excusez-moi, j'ai fait ce qu'on peut appeler une passe de trou, je m'en excuse. Attention, mais oui. Ça va. Franchement, le jeu est agréable. Franchement, le jeu est très, très agréable. Je vais pas vous mentir. Voilà. On fait une passe. On fait encore des passes. Il assure la passe. Très bien. Là, ouh, c'est parfait. Est-ce que... Ouh, là, non, ça passe juste au-dessus. Oh, dommage. Oh, oh là là.
là 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 là. Oh, c'était bien joué. Ah, voilà donc le petit changement. C'est Mialis qui est remplacé par Myrsekis. Voilà. Ça, c'est du côté grec de l'AEK Athènes. Oui, j'ai pris donc. Je suis pour ceux qui auraient absolument mais pas remarqué, je suis les Grecs de l'AEK Athènes. Oh, attention, parce que là, c'est pas fini, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Allez. Ah zut, je l'ai perdu. Oh là là. Bon, pas grave. Allez, on continue. Allez, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Wow, encore un autre tir magistral dévié par le gardien letton. Bon, je ne le connais pas, mais bon, il a fait, il a eu de bons réflexes. Attention, ah oui, c'est vrai, Thomas. Attention, ouh, joli arrêt du gardien. Excusez-moi, j'étais un petit, je sais plus où j'étais. Mais ça va. Franchement, j'arrive, je tiens le match. Franchement, je le tiens le match. Je le tiens. Ah mince, je voulais faire une passe, mais ils ont réussi à capter le ballon. C'est bon, j'ai réussi à capter le ballon. Et une fois de plus, j'ai eu le réflexe de le chipper à la dernière minute. Et les Grecs de l'AEK Athènes mènent toujours 3 buts à 1 face aux Lettons du FC Riga. Ah, attendez. Voilà, c'est bon, on capte le ballon. Voilà, Anorthosis. Chilas. Daniel. Iberopoulos. Là, on entre dans le dernier quart d'heure de ce match. Oui, Dimitriadis qui passe à Daniel. Attention, est-ce que ça va le faire? Oh! Qu'est-ce que... Ah, dommage! Oui, c'est le but! Et un des joueurs du FC Riga a tiré un but contre son camp, je crois que ça doit être le gardien, il me semble. Aïe. Et une fois de plus, comme tout à l'heure, il y a eu un cafouillage dans le camp letton et visiblement, ce qu'on peut, ils étaient tellement débordés qu'ils ne savaient plus du tout quoi faire. Oh là 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 là. Et oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, c'est bien le gardien du FC Riga qui a littéralement marqué un but contre son camp sans le faire exprès. Ce qui fait au total de 4 pour l'AEK Athènes et 1 pour le FC Riga. Allez, on continue, mesdames et messieurs, on continue. Allez, on continue. Attention, parce que là, les Lettons, ils contre-attaquent. Voilà. Allez, on joue collectif, les gens. On joue collectif. Ah, mince, je voulais faire une passe à un de mes joueurs, mais il n'y avait personne. Donc j'ai vraiment ce qu'on peut appeler faire une passe à l'homme invisible. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ce match.
Donis. Ah, il voulait faire une passe, mais personne n'a réussi à capter, c'est dommage. Est-ce que... Oui, c'est la fin du match. Eh ben, victoire. Belle victoire donc des Grecs de l'AEK Athènes qui ont réussi à l'emporter face à une équipe du FC Riga et qui faisait une maillotte équipe lettonne du FC Riga qui a tout donné dans ce match. En tout cas, c'est franchement cette équipe du FC Riga a vraiment de l'avenir. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, donc je vous rappelle le score. Victoire des Grecs sur les Lettons du FC Riga sous le score de 4 buts à 1, GG aux Grecs de l'AEK Athènes et GG aussi aux Lettons du FC Riga d'avoir tout donné dans ce match. Franchement, ils sont bien battus. Franchement, il n'y a pas à dire. Ils sont. GG les mecs. Franchement, vous avez géré. C'est donc la fin donc, de ce test. C'était donc FIFA 99 sur PlayStation 1. Un très bon jeu de foot à tester, mais vraiment sans modération. Bref, bon, je l'ai déjà dit, mais je le dis quand même parce que franchement, ce jeu-là, c'est une pépite. Franchement, ce jeu-là est une véritable pépite. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Athènes, en Grèce, à vos paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.